Tu peux dire oui même si tu n'as pas envie, quand tu le veux, mais ça ne doit pas être une obligation. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. D'accord, voilà. Est-ce que la femme doit toujours dire oui à son homme au lit? Elle doit, je ne dirais pas oui. Parce que ce n'est pas une obligation. Hein. Au lit, chacun donne son consentement parce que c'est deux personnes qui doivent ressentir quelque chose en fait. La vérité. Et en amour, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez, tu peux accepter que ton homme te touche ou te dit, tu peux dire oui même si tu n'as pas envie, quand tu le veux, mais ça ne doit pas être une obligation. Je crois que ça doit être consensuel en fait. Un mari peut donner l'envie, même quand sa femme n'a pas envie, il peut s'arranger, mais elle n'est pas dans l'obligation d'accepter. Et s'il lui force, il dit, ah, tu es ma femme, pour m'empêcher d'aller voir ailleurs, il prend pour faire ta page, un truc comme ça, genre, il s'excuse. Il donne ça comme excuse. Hein. Voilà, pour aller, c'est toi, pour aller la tromper, un truc comme ça. Pourtant, la go, elle est la peur. Et à ce moment-là, si on refuse, donc du coup, ça peut l'amener à accepter. Que pense-tu de ces personnes, de ces hommes qui agissent ici? Je dirais plutôt que ces personnes-là ne sont pas matures. Parce que normalement, pour quelque chose que tu veux, tu n'as pas besoin de menacer quelqu'un pour ça. Justement. Et c'est ta compagne, tu connais ses côtés sensibles, tu connais comment la blaguer. Dans ce cas-là, tu dois chercher à la blaguer, tu dois chercher à la... Utilisant les côtés sensibles, voilà. Pour la menacer, accepter. Non, et non, un nom de la menacer en fait. Mm-hmm. C'est ce que je pense. Ah. D'accord, pour vous, la femme peut dire non. Oui. Elle n'a pas envie, elle peut dire non. N'a pas envie, elle peut dire non. Et l'homme qui oublie, ce n'est pas quelqu'un de bien. Non, c'est pas mature de sa part en tout cas. Et votre homme ne vous oblige pas souvent à faire? Non, il ne m'oblige pas. Quand il a envie que je ne suis pas d'accord, il essaie et quand il voit que ça n'aboutit pas, il laisse tomber. Ah, ok. Mais il ne va pas ailleurs. Souvent, quand ils ont envie là, vraiment, ce qu'ils ont envie, l'endroit, c'est le monde qui s'écroule. Tant que le roi n'est pas sorti là, il n'est pas en paix en fait. Bon, je ne mettrai pas la main au feu qu'il ne va pas ailleurs. Mais je sais une chose et que j'ai confiance en lui. Et que s'il va ailleurs, c'est parce qu'il a voulu ou parce que la nature a voulu tout simplement. Sinon, j'ai confiance en lui en tout cas. D'accord. Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous également.